Pour finir le cours de yoga, je propose de faire une méditation. Ferme les yeux et imagine un paysage désertique. À À tes tes pieds pieds se se trouve trouve le le miroir miroir de ton de ton ego. ego. Trouve Trouve la la force en force en toi-même toi-même de de dépasser dépasser ce ce miroir. miroir. Ça Ça marche aussi. suffit. C'est C'est bien, bien. tu Tu vois vois l'entrée de l'entrée ta de ta caverne. caverne. Tu Tu dois dois y y pénétrer. pénétrer. Avance Avance dans dans ta ta caverne. caverne. Tu Tu trouveras trouveras plusieurs plusieurs portes. portes. Ouvre Ouvre celle celle de de ta ta peur peur la la plus plus enfouie. enfouie. Qu'est-ce que j'y trouverai? Ce Ce que que tu tu y y apporteras. apporteras. Des Des larmes, larmes, tu tu n'en n'en auras auras pas pas besoin. besoin. Ça Ça marche marche aussi. aussi. C'est C'est bien, bien, évacue évacue le le trop-plein trop-plein d'émotions. d'émotions. Maintenant, Maintenant, referme referme la la porte porte et Maman, voici une va rose vers que j'ai un fait pousser à long et l'abri des vents et des méthodique tigres. prolongement Je d'essence. retourne au Japon pour Notre gagner part l'armure dans ce d'or. monde nous empêche de percevoir Tu pourras l'importance être très fier de et ton petit au-delà garçon, le septième car je dois être le sens meilleur si je qui veux rester le donnera plus joli petit garçon à l'avantage tes sur yeux. les adversaires. Je t'aime, maman. Via Si je l'univers pouvais tuer connu, papa, je le ferais. l'univers inconnu et entre Faudrait les que je deux sache qui mers c'est d'abord. cosmos. Quand je Tu reviendrai, je reviens. resterai avec toi pour toujours. Ton voyage intérieur s'achève. Fais Fais face à la face à la montagne montagne de de tes tes doutes doutes et... et... Ok. Trouve Trouve ton ton animal animal porteur porteur de de force. force. Je suis fatigué là. La prochaine fois, nous travaillerons sur ton rapport à la violence, hein. J'ai l'impression que tu regardes trop de dessins animés de bagarre. Prends garde à toi, Seyar. Je ne te sous-estimerai pas comme l'ours. Et nous suivons aujourd'hui le quotidien de Seiya qui a aménagé dans le port de Shinjuku. Il a retrouvé une de ses amies d'enfance, Mylène. Tout semble sourire à ce fringant adolescent qui a fait une entrée très remarquée dans le tournoi galactique. Alors, Seiya, heureux? Ah, la gloire, la thune et les femmes! Que demander de mieux? Mais pourquoi il me rappelle pas ce con? Ce sont des lettres de menace des différents centres d'entraînement. Si nous n'arrêtons pas d'employer des chevaliers sacrés à des fins divertissantes, ils nous enverront leurs milices. Eh bien moi, je leur enverrai mes avocats. Mets ça dans le dossier. On verra si on peut pas attaquer pour trouble à l'ordre public. Bien, Majesté. Et l'action boursière du groupe? Elle est toujours en hausse. Vous avez gagné 1 million aujourd'hui. De yens? Non, de dollars, pourquoi? Pour rien. C'est le moment, Tatsumi. Je vends mes parts, je fais chuter le groupe, je rachète au plus bas, j'épouse cette pimbèche et je deviens Prince Kido. Tatsumi, tu comptes les feuilles du cerisier? Oui. Non. Eh bien, si le compte est bon, tu peux faire de même avec l'argenterie. Je crois qu'il manque des petites cuillères. Prince Tatsumi. Non. Prince. Juste Prince. C'est bien. Yoga! Yoga! Yoga, où es-tu? J'étais sûre qu'il était dans le coin. Je l'aurais vu partir. Bon, j'avais une lettre pour lui. Voyons ce que ça donne. Yoga, mon élève, il est temps pour toi. Brise l'iceberg et rejoins-moi en Grèce. Le grand Pop t'ordonne d'aller au Japon pour remettre de l'ordre dans une compétition sportive qui utilise des chevaliers. Nous sommes les garants de l'ordre. Fais vite. Ton maître, Camus. B.S. Arrête de consommer des amphétamines que tu appelles du cristal. Quand tu parles tout seul, c'est flippant. En même temps, je sais pas lire. Mais j'ai de quoi allumer un feu. Bonsoir et bienvenue au Colisée pour cette rencontre sportive parfaitement sécurisée et encadrée pour une retransmission dans le monde entier! Les gradins sont pleins à craquer et nous sommes ici pour voir des guerriers légendaires s'entretuer! Pour la somme modique de 3 millions de yens, vous pouvez assister à des combats uniques dans la galaxie! Que commence le tournoi galactique!
voulez du muscle, de la virilité, du sang. Alors je laisse la parole à la princesse Aorikido pour vous raconter la genèse historique, le contexte et le développement de ce tournoi. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tournoi qui verra l'affrontement d'enfants soldats idéologisés pour servir une déesse dont le culte n'est plus célébré depuis 15 siècles. Tous les participants ont entre 13 et 15 ans. À l'âge où les enfants normaux doivent intégrer des multiplications et des règles de grammaire, la Fondation Graad a envoyé 100 garçons orphelins dans différents centres de formation pour qu'ils deviennent des armes vivantes. À ce propos, la Fondation nie toute responsabilité si ces enfants ont subi une quelconque maltraitance. Nous n'avons fait que fournir des participants. Chaque chevalier détient une armure qui correspond à une des 88 constellations. 100 garçons qui partent pour 88 armures. Je pose 8, je retiens 2 et... 64. J'aurais peut-être mieux fait d'aller à l'école. Parmi les 88 constellations se trouvent les 12 armures d'or. Ce sont les plus puissantes. La seule qui nous soit parvenue est celle du Sagittaire. Elle appartenait à mon grand-père, Mitsumasa Kido, qui, grand pratiquant des arts martiaux et sports de combat, a décidé de créer ce championnat de pugilat pour adolescents. Voici nos gladiateurs, Jabu, Shen, Shiryu, Seiyar, Ikshi et Scratchy. Scratchy. Comme les chevaliers du Phénix et du Cygne ne sont pas arrivés, nous allons poursuivre par un premier quart de finale. Oui. Pourquoi ils ne remplacent pas les combattants absents par ceux qui n'ont pas d'adversaire? Occupe-toi de tes fesses. Dommage qu'on ne commence pas par la finale. Je t'aurais donné des cours de politesse. Ben vas-y, montre-moi comment on t'a dressé en Grèce. Hé, hey, regardez ça les gars. C'est pas tous les jours qu'on voit un cheval cocu se pavaner. De quoi? Présente-moi ta jument et tu sauras pourquoi t'as une corne. Hé hey, les bouts en train, vous allez gâcher mon entrée. Plaît-il? Hé hey, hey, j'en ai pas fini avec lui. Il a insinué qu'il s'est tapé ma femme. Et alors, il s'est tapé ta femme, tu t'es tapé ta femme, vous êtes quitte. Allez file, chevalmout. Quelle entrée majestueuse pour Yoga de la constellation du Cygne. Tout de suite, nous appelons son adversaire, Ichi de l'Hydre. Tremblez, simple mortel, faible spectateur, car je ne suis pas venu gagner l'armure d'or, mais bien pour prendre vos âmes. Et je vais commencer par la tienne, Yoga. Envoyez la musique! Yo, écoute Brad Pitt, je te sens chaud comme la braise, mais refroidis tes ardeurs, car le scénario est cousu de fil blanc. Je dois arriver en finale pour faire le grand méchant face à Jabu. Seiyar nous a déjà bien mis la pagaille la dernière fois. Alors on va faire ça en douceur et... Eh mais j'ai pas de femme, moi! Et tu vas aller au tapis bien gentiment. Je ne suis pas venu de Sibérie pour me faire plumer. Oh, vous vous êtes passé le mot, on dirait. Mais tu sais qu'il y a plein de débouchés pour les perdants. Tu pourrais devenir chanteur de J-pop. Désolé, mais ça ne me dit rien de chanter Monsoon toute la journée. Mauvaise pioche. Ce n'est pas de la J-pop. Il est rapide. Heureusement que mon cosmos de glace engourdit ma douleur. Et tous ces tordus qui jubilent à la vue du sang, ils me dégoûtent. Mais je dois faire attention. Mes séjours dans la glace m'empêchent de faire des monologues intérieurs. Ah, j'ai jeté un froid. Dégage ! Sortez-le ! J'ai gagné la sympathie du public. Sale petit ornithorynque, ton cœur est pétri d'orgueil. Tu n'es pas digne de revêtir l'armure d'or. Allez, couche-toi, ma petite pomme d'amour. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Les organisateurs ont prévu qu'il y ait des petits mutins. C'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Oh non, je me suis fait piquer par un serpent à 9 têtes. Je vais avoir une marque maudite qui va me donner l'air d'un gothique avec une croix sur le bec. Redescends, Jack Dawson. C'est juste un anesthésiant. Tu vas vite faire dodo. Quoique dans 1% des cas, ça a un effet hallucinatoire. Ah, flûte! Descends de là que je te morde! Je suis plutôt bien. C'est marrant, t'es tout petit. Et là, je suis tout petit! Reviens, sale petit morveux! Haha, il est en mon pouvoir! Qui sera ma prochaine victime? Qui? C'était trop de la bonne. Hein? T'as l'air d'aimer les piqûres. Sache que tu n'auras plus de force à la 9e injection. 9? Et pourquoi pas 15? Mais t'es complètement malade, toi. Sérieux, t'en as encore? Autant que tu veux! Je ne suis pas un camé, maman. Je ne suis pas une sourasse d'Écossais. Je suis un cygne! Allez, c'est ça, Marc. Tu vas faire ta désintox, maintenant. Je suis un chevalier avec des putains de super-pouvoirs! Et moi, je suis Batman! Batman? Alors, Yoga,
Tu préfères te défoncer pendant que je me gèle les miches sous la glace? Non! Finissons-en. Son cerveau doit faire des flippers dans sa tête. Mais en même temps, il aurait pu abandonner. Par la chute du paradis, perdu! J'ai pas volé ma journée. Je suis navré, Chi, mais j'ai promis à ma mère un sac à main en peau de vipère. Mais c'est impossible! Tu devrais être en train de chasser les chauves-souris avec une tapette à mouche! La chauve-souris m'a délivré de la douleur d'être un homme. C'est l'heure de te coller un pain de glace. Mais, je rêve? Ou c'est encore le bidonnage des chiffres? Tu ne rêves pas, chevalier. Les chiffres sont réels. Mais pour produire du moins 50 degrés, les spectateurs seraient à moins 10! Pas du tout. Mon cosmos chavire la typographie de la surface du ring. Hein? L'arrêt de la propulsion atomique des électrons engendre une hypothermie concentrique dans un volume d'air défini. Ce qui fait que les Fahrenheit autour de cette bulle négative sont constants et non nuls. Ouais, c'est pas faux. Quoi? Mais il y a de la neige maintenant! Et je peux même pas me la mettre dans le nez. Waouh, les effets spéciaux! C'est vachement bien fait! Tu vas me dire que tu contrôles aussi la météo? Non, je te mets juste face à ta vanité. Tu n'es pas ton ambition, tu n'es pas un flocon de neige unique et merveilleux. Tu te crois diamant, mais tu n'es que poussière. Par la poussière de diamant! Non! Victoire sans conteste pour le chevalier du cygne! Je suis le plus joli petit garçon. Tu veux être mon copain? Non. Si! Tu seras Naruto et je ferai Sasuke! Non! Allez! Non! Je suis brun et tu es blond. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas dire à ta mère. Mais lâche-moi! Pourquoi tu vas pas embêter Force Verte là-bas? Copain? Super blond, c'est un signe étincelant. Super blond pour revoir sa maman. Il veut être le plus fort de l'équipe et poursuivre son Oedipe. Super blond, il envoie aux méchants. Super blond, sa poussière de diamant. Ça n'est pas dégueulasse, c'est un chevalier de glace. Tous les mérites de la terre, il les arrachera. Rien n'est trop beau pour rendre fière sa tendre Manouchka. Super blond, champion d'apnée olympique. Super blond, prix Nobel de physique. Capitaine d'industrie.